Signal du tapage. 10-4, régulateur, répétez l'adresse. Isaac Plaza, tapage à Isaac Plaza, on nous signale du tapage. Attaque en cours à Isaac Plaza, je répète, attaque en cours, c'est la guerre ici. 10-85, régulateur. Étaient tous morts. Le dernier coup de feu était comme un point final à cette histoire. Je relâchais mon doigt sur la détente. C'était fini. Mais il faut revenir 3 ans en arrière pour que vous puissiez comprendre. Revenir à cette nuit où tout a commencé. Sous couverture? Désolé Alex, mais Michel et le bébé d'abord, tu vois? C'était ma dernière cigarette. Ce n'est pas bon pour la petite. Tu ne changeras jamais Max, un vrai boy scout. À bientôt Alex. Ça marche toujours pour le poker de jeudi soir? Je ne raterai ça pour rien au monde. La vie était belle. Le soleil se couchait sur une douce journée d'été, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, les rires d'enfants, une maison au bord du fleuve. Sur la rive de Jersey, une femme merveilleuse, une petite fille, le rêve américain, somme. Chérie, c'est moi! Mais si vous n'y prenez pas garde, les rêves peuvent vite se transformer en cauchemar. Le soleil se couchait avec sa bravoure coutumière. Le crépuscule envahissait le ciel. Michel, ma chérie, tu es là?
Je n'aimais pas le début du spectacle, mais il m'avait laissé une place de choix. Première rangée au centre. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un s'est introduit chez moi, appelez la police. Oui ? Je suis bien chez les Plains ? Quelqu'un s'est introduit chez moi, ils sont toujours là, appelez la... Très bien. Désolé, je ne peux pas vous aider. Qui êtes-vous ? Allô ? Allô ? Non, non, Michel, mon Dieu, non! La ville froide et enveloppée d'un voile nocturne était un monstre cruel. Je progressais lentement, passant du menu fretin au gros poisson. J'essayais de remonter jusqu'à la tête de l'organisation. Alex et Bébé étaient mes seuls contacts à la DEA. Les seuls dans cette ville décadente à savoir où j'étais. Bébé à l'appareil. On a du nouveau sur Lupino. Vous devez rencontrer Alex immédiatement, station Roscoe Street. Je n'avais pas rencontré Alex depuis que j'avais infiltré le milieu. Le mercure chutait à toute allure. Il faisait un froid glacial. Des hallebardes glacées s'abattaient sur la ville comme si le ciel allait s'écrouler. Chacun courait à la recherche d'un abri, comme si c'était la fin du monde. Les choses n'allaient pas s'arranger dans le métro. J'ai soudain ressenti quelque chose d'étrange. Tout cela n'était pas normal. Mon Beretta se soulevait nerveusement sous ma veste. Les portes du train s'étaient refermées sur moi. J'étais en route vers mon destin. Prochain arrêt, Roscoe Street et Alex. La station était plongée dans l'obscurité. Alex n'était pas là. Je devais le trouver.